Good evening, viewers. It is news o'clock by our studio time. Our top stories: fuel prices on a swinging pendulum as regulatory fuel prices at filling stations in times of need to ensure a massive distribution and consumption is optimal throughout the national territory. Our reporter Ines Pangang speaking to Dr. Jean-Marie Biada, an economist who tables strategies governments must adopt to manage fuel prices in Cameroon. Plus, in education, Cameroon launches its second edition of the Academic Scientific Week in Yaoundé by the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, and in Douala by the Rector of the University of Douala, Professor Magloire Ondua, respectively. It is in this phase for the transfer of skill and competence to young researchers to enhance the research potentials to the younger generation. And in sports, the Federation of Cameroonian Football anticipates to recompense 1.2 billion CFA francs to former Indomitable Lions head coach Antonio Conceição. Plus, the military Indomitable Lionesses in a formidable walk to the final at the ongoing Military World Cup for the first time, set to face either France or South Korea, as sports pen Oni Ladonet creates a mental picture of their future opponents. And those are our top stories. Hello, viewers. It is a bilingual newscast tonight on Spectrum Television, and we begin our very first element in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir, Joséphine Binzi. Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Pénurie de carburant. Les experts planchent pour la suppression de la chaîne structurelle d'approvisionnement des carburants. Suppression, disais-je, de la CSPH. La Caisse de stabilisation des produits pétroliers, dont la mission est de réguler les prix pour assurer l'approvisionnement régulier des stations de distribution, avec pour objet promouvoir la consommation locale en harmonisant les prix entre les centres de stockage. Selon ses experts, celle-ci ne joue aucun rôle dans la fixation des prix du carburant au Cameroun. Son action se limite au butane, gaz domestique. L'explication est du docteur Jean-Marie Biada. Économiste. Il a été interrogé ce jour par nos reporters dans un contexte de rareté du gazole dans plusieurs stations-service et de probable augmentation du prix du carburant au Cameroun. C'est du moins la crainte de l'heure. Ines Pangang. Réguler les prix des produits pétroliers pour assurer l'approvisionnement régulier des stations-service, c'est l'une des missions de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, en abrégé CSPH, clairement formulée sur son site internet. C'est une hyperbole pour le docteur Jean-Marie Biada, économiste. La CSPH, elle a pour subventionner le coût du gaz. Parce que la CSPH reçoit des redevances de la Sonara. Et c'est ça qui lui permet donc de subventionner le prix du gaz. Dans le gaz domestique que nous achetons aujourd'hui, par exemple, pour une bouteille d'ici de 12 kg, 12,5, que nous achetons à 6 500, en réalité, on devait être autour de 9 500 ou 10 000. Les autres produits carbonés sont concernés par ce soutien de la CSPH. La CSPH reste uniquement au niveau du gaz domestique que nous consommons chez nous. Ceci dit, pour que le prix du carburant n'augmente pas au Cameroun, l'État doit mettre un accent sur la production locale. Le problème n'est pas celui d'augmenter le prix du carburant. Le problème, c'est celui de remettre à flot la Sonara. Il faut qu'on le fasse vite. Pour notre hydrocracker, il coûte 250 milliards. Pourquoi nous trouvons plutôt intérêt à subventionner à hauteur de 300 milliards, 600 milliards, au lieu de mettre l'appui sur la production locale? Le problème, c'est celui-là. Et le problème s'aggrave même davantage maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'exportons rien. C'est quand nous exportons que nous gagnons les devises. Et ce sont ces devises donc, qui nous permettent donc d'acheter tout ce que nous ne produisons pas localement. Jusqu'à ce jour, les stations-service des villes de Douala, Yaoundé et Ebolova rationnent le carburant pour permettre à chaque automobiliste d'en avoir le minimum. Still in economy, now talking public debt. The state of Cameroon anticipates to contain public debt by 50% of gross domestic product in 2025, estimated at 33 billion CFA francs. To achieve this, Cameroon plans to focus on timely debt settlement clearance on all domestic areas. Economist Bernard Wangi provides possible solutions. His reactions with Mireille Siapchi. Il faut vraiment mettre
the track record of performance in economic management is quite low. You have growing budget deficit, inability to settle the domestic debt, and then you also have more and more bodies that are being poured into public enterprises and with no way of reverting the trend in this state-owned enterprise. For that reason, we would recommend that we focus on the 12-year or 18, on the 12-month, on the 12-month program or 18-month program with the aim to stabilizing public finance, cutting the deficit, and restore confidence in the Treasury and its, at the level of payments. If we cannot have confidence that the Treasury can pay its bill, then we cannot plan for 3 years. Or la masse salariale de la fonction publique inquiète le gouvernement. Normal, le ratio de soutenabilité fixé à 35% est en dépassement. C'est la conséquence des 10 années de recrutement massif, pas toujours sous contrôle et qui fixe notre pays à 36,3% à ce jour. Pour l'année 2025, il est donc question de passer à plus de 33%. De ce ratio afin d'atteindre la première bonne performance depuis 16 ans. La projection contenue dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme a fait l'objet d'un débat d'orientation. Suivez plutôt. Le traitement des agents de l'État augmente plus vite que les recettes fiscales. Le Cameroun ne respecte pas la norme CEMAC en la matière. Selon les chiffres officiels, entre 2011 et fin juin 2021, les effectifs de la fonction publique camerounaise sont passés de 206 000 à 346 500 personnes, soit une hausse de 68%. Les dépenses personnelles ont connu la même courbe ascendante, passant au cours de la même période de seulement 681,4 milliards de francs CFA à plus de 1 000 milliards. Établi à un maximum de 35%, le ratio de soutenabilité de la masse salariale de l'État représente le rapport entre le volume des recettes fiscales douanières collectées au cours d'une année et les dépenses des personnes de l'État. Dans un document officiel annexé à la loi de finances 2022, le gouvernement camerounais révèle que le ratio plafonné à 35% n'a jamais été respecté depuis 2009 en raison de l'explosion des recrutements à la fonction publique en comparaison avec les départs à la retraite. Pour établir le seuil de ratio de soutenabilité de la masse salariale de l'État à moins de 35% en 2025, le Cameroun prévoit de renforcer les mécanismes de contrôle et de poursuivre l'assainissement du fichier solde de l'État selon le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme. Il est également question de renforcer le processus de recrutement et de gestion des ressources humaines de l'État et d'accélérer les conditions de mise en place effective de nouveaux systèmes de gestion du personnel et de la solde, notamment le CJPS2. Du 109 à la BEAC nationale, retenez ce nom et aussi le visage que vous allez découvrir à l'antenne. Pierre-Emmanuel Kouah Aïssi, c'est le nouveau directeur de la BEAC nationale. Il a été nommé ce jour par le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le nouveau directeur national remplace Blaise Eugène Somme, mis à la retraite. Pierre-Emmanuel Kouah Aïssi, quant à lui, a fait ses classes à l'ESSEC de Douala au sein de l'institution bancaire. Il a occupé les fonctions de directeur de cabinet du gouverneur de la BEAC de 2010 à 2017, chef de cellule de contrôle à l'agence BEAC de Douala et finalement chef de la dite agence avant ses nouvelles fonctions. Poursuivons ce journal, nouvelle piste d'opportunité dans la coopération économique entre le Cameroun et les États-Unis. Cette fois, la cible vise l'incubation des entreprises, donc le deuxième congrès est prévu du 15 au 17 décembre 2022. Notre pays compte organiser le dit rendez-vous afin de saisir l'occasion de développer des partenariats d'affaires dans divers secteurs. Achille Basile King III, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, est à ce rendez-vous. On regarde. En effet, le gouvernement camerounais projette d'organiser du 15 au 17 décembre 2022 le deuxième congrès sur l'incubation des entreprises locales. Le dit rendez-vous permettra d'exposer ses plans d'investissement dans le secteur de l'industrie nationale. Basile Adjo, le CEO de cette organisation regroupant des ressortissants de près de 45 pays africains, a à cet effet
conduit une délégation d'entrepreneurs américains qui ont exprimé leur ambition au cours d'une rencontre prévue le 15 juillet dernier à Yaoundé avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basiliquin III, de pouvoir soutenir les entreprises camerounaises. Pour cette délégation d'investisseurs de la Minnesota Africa Unite, le deuxième congrès sur l'incubation des entreprises servira d'opportunité pour développer des partenariats d'affaires avec le Cameroun dans des secteurs divers tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, le transport, la transformation du bois, l'énergie renouvelable, l'industrie sous toutes ses formes. Pour que ce congrès se tienne dans de bonnes conditions, les hôtes du ministère des Petites et Moyennes Entreprises se sont déclarés prêts à l'accompagner, notamment en ce qui concerne le sponsoring, le branding de l'événement et les exposés, pour ne citer que ceci. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, pour sa part, a exhorté ses potentiels investisseurs, au regard de la portée multisectorielle de leur champ d'action, à s'organiser, à rencontrer au cours de leur prochain séjour au Cameroun tous les responsables sectoriels des domaines concernés par leurs compétences entrepreneuriales, ce qui permettra d'avoir un meilleur aperçu des opportunités liées à la transformation structurelle de l'économie camerounaise engagée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Cette stratégie souhaite faire du secteur de l'industrie et de l'agro-industrie des leviers de la croissance et de l'émergence de l'économie du Cameroun d'ici 2035. Away from economy, we now talk education. As the Academic Scientific Week 2022 in Cameroon has today been launched in Yaoundé by the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo. In the course of the week, Cameroonian and foreign researchers will share their wealth of experience in research as well as a transfer of knowledge to the younger generation of researchers. Details of that launch in the following excerpt by the Minister. Mr. Head of Government has prescribed me to come here and congratulate the scientists of Cameroon because they do fantastic things for the development, for the growth of our dear and beloved country, Cameroon, in a lot of domains, agriculture, industry, trade, livestock. Then we are very happy, we are very satisfied. The Prime Minister, Head of Government and Head of State are very satisfied about the fantastic job done by scientists of Cameroon, our dear and beloved country. And we come here on behalf of the Head of Government to thank the scientists, to encourage them, to tell them to go and to work hardly, strongly, for the development of our dear and beloved country, Cameroon. Same course still in Douala, the Scientific Research and Professional Week is in its second phase at the Faculties of Economics and Applied Management Sciences. It has today been launched at the campus of the University of Douala with Rector Professor Magloire Ondua as convener. The edition's theme in its new crisis is the new crisis and the perspective of governance of countries in the South. Catherine Coney has the details. The Faculties of Economic and Applied Management at the University of Douala, under the patronage of its rector, Professor Magloire Ondua, kick-start the Scientific and Professional Week today, July 20, 2022, with the theme, The New Crisis and the Perspectives of Governance of Countries in the South. The South, because we are in a context of crisis, we are in an environment of crisis, it is that crisis determines the functioning of economic now and the firms. So we have to search some answer, some solution to know how to operate in that context and to preserve the performance
of the economic, all the economic. During the events, a roundtable debate on monetary policy in the face of the ongoing crisis, the impact of the crisis on enterprises and many more were discussed, with solutions proposed. Yes, we are proposing solution. We postpone some solution to govern state, to manage the state and firm in the crisis in the future, because it is not evident to know what can happen in the future. So now our reflection try to see many aspects, many ways, many problems that can occur and that can influence the firms and the state. However, the second edition of the Scientific and Professional Week, which starts today till Saturday, the 23rd of July 2022, will evaluate doctorate students of level 1, 2, and 3, and also the defense of theses. Crise sécuritaire, reparlons de la mort de l'un des redoutables chefs séparatistes, Oliver Likeaka, alias Field Marshal, qui a été tué par des éléments du bataillon d'intervention rapide, le BIA, au cours d'un raid dans son fief au Lébialem, région du sud-ouest. Son corps a par la suite été exposé à Koumba. Ce soir, Raoul Soumo, spécialiste des questions sécuritaires, évoque les implications de cette mort. Bien, on peut légitimement penser que parce qu'il était un chef charismatique, que la neutralisation de Field Marshal accélère au moins le processus d'affaiblissement du groupe qu'il commandait, à défaut de conduire à son effondrement. Dans tous les cas, sa neutralisation aura un impact psychologique sur le moral des indépendantistes, ça c'est indéniable. Mais il faut pas se faire d'illusions, ça faisait quand même longtemps que Field Marshal vivait caché, affaibli qu'il était par la maladie et qu'il n'était plus qu'un épouvantail. Donc il faut relativiser justement la portée de ce succès militaire de l'armée camerounaise. D'ailleurs, l'impact de cette neutralisation dépendra de la capacité de l'armée camerounaise à capitaliser justement cet événement majeur dans la conduite de cette guerre-là. Il faut tout de même reconnaître que ce type de mouvement est structuré de telle sorte que la disparition d'un chef n'empêche pas la conduite des opérations. Plusieurs autres chefs sécessionnistes continuent les opérations sur le terrain. Sur le plan politique, en réalité, c'est clair que Field Marshal mort, la paix ne va pas revenir au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Sur le plan politique, tout au plus, ça peut donner l'impression que l'armée est en train de faire le terrain, ça peut être des prémices d'une victoire future. Donc, il revient aux politiques de savoir capitaliser cela. Mais concrètement, si l'enjeu du retour de la paix, en ce qui concerne l'enjeu du retour de la paix, la disparition de Field Marshal ne va absolument rien changer. D'ailleurs, les opérations militaires n'ont pas vocation à régler cette crise, même si je pense que l'outil militaire a vocation à créer les conditions d'un retour politique. Donc, La neutralisation de Field Marshal aura un impact politique si le politique sait capitaliser cela et ouvrir des négociations en position des forces. Sur le plan géostratégique, tout au plus, il peut envoyer un signal aux partenaires du Cameroun sur sa volonté, sur sa capacité à régler ce problème sur le plan militaire. Encore une fois, tout dépendra de la capacité du Cameroun à mener au même moment des actions dans le domaine politique. Joséphine Bindi, vous l'avez annoncé en titre, affaire Fekafoot Antonio Conceição, du nom de l'ancien entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables. La FIFA condamne la Fédération Camerounaise de football, l'a payé 1 700 000 euros, soit 1 200 000 de francs CFA à l'ancien coach, suite à un licenciement jugé abusif. Le Cameroun a 45 jours pour s'exécuter. Dès lors, deux options se présentent, faire appel ou payer. Il faut peut-être le rappeler, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun a porté plainte auprès de la Fédération internationale de football association pour rupture abusive de contrat. Une première réponse a donc été donnée. Affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Voilà, mais restons en sport.
Cérémonie solennelle de remise de l'étendard, le berceau de nos ancêtres bénis, les délégations d'athlètes qui participeront aux Jeux du Commonwealth en Angleterre et aux Jeux de la solidarité islamique en Turquie. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelle-Kombi, au nom du Cameroun, a donc remis l'étendard à ses sportifs, non sans inviter les uns et les autres à compétir dans un esprit patriotique. Olivier Bouzique. Confiant et serein, ces athlètes vont représenter le Cameroun dans quelques jours à deux compétitions internationales majeures. Les Jeux du Commonwealth en Angleterre d'une part, d'autre part, les Jeux de la solidarité islamique qui se dérouleront en Turquie. On part toujours avec la même ambition de remporter ces Jeux islamiques qui pour nous, ça sera aussi une compétition pour préparer derrière les championnats du monde qui sera à la fin du mois d'août. Nous partons étant suffisamment prêts et nous reviendrons avec des bonnes nouvelles. Ce 20 juillet au siège du Comité olympique et sportif du Cameroun, il est question de leur remettre l'étendard, signe de bénédiction des autorités camerounaises pour leur permettre de compétir dans un esprit de patriotisme. D'un grand sens de la discipline, de la responsabilité, d'une conscience des enjeux symboliques pour le Cameroun qui est une grande nation de sport et aussi l'esprit animé par un souffle conquérant, le souffle conquérant devant les porter vers l'amélioration des performances. Avant leur départ, les deux délégations ont été préparées sur tous les plans, puis briefées sur la conduite à tenir durant les Jeux. Nous devons laisser une image d'une jeunesse responsable, disciplinée, organisée, venant d'un pays qui est bien gouverné. C'est à cela que nous allons nous atteler pour conduire les deux délégations. Les Jeux du Commonwealth se dérouleront à Birmingham du 28 au 8 août, quelques jours avant les Jeux de la solidarité islamique prévus du 9 au 18 août 2022 à Konya. Still in sports, Cameroon's quest for military World Cup is undeniable as the military team of the Indomitable Lionesses have qualified for the finals of the Women's Military World Cup and will play against either France or South Korea. Sportswoman Oni Ladonette tells us the future of Cameroon. Yet in this tournament, could this be the first Tabe stutter step and goes with the right foot and Cameroon strikes first Tabe. Tabe Brenda was on the score sheet five times in Cameroon's 8-0 thunder-breaking win over Belgium in the last group games at the Military World Cup in Spokane. A resounding win which not only sent a warning to potential opponents France or South Korea, but most importantly secured their place in the gold match for the very first time in history. Counting down here in Spokane. And that is it. For the first time ever, an African nation will be competing in the gold medal match. Cameroon defeats Belgium 8-0. They go perfect in Group A. And now, Shelby, they await the winner of South Korea and France after their match tomorrow. Big congratulations to Cameroon. I have a feeling they might be watching. These military lionesses have had a stellar ride, registering 4 wins in 4 games, scoring 25 goals and conceding 1. They opened their campaign in this competition with a 2-1 win over host the United States of America, seen of Ireland on a 12-0 scoreline and Germany 3-0. Their 8-0 win is their latest achievement in this tournament, with Cameroon being the only African country still standing. This year's championship features teams from the United States of America, Belgium, Cameroon, Canada, France, Germany, Ireland, Mali, Netherlands, and South Korea. CAF officials will convert in Rabat tomorrow, July 21, for CAF Awards. Cameroon is nominated in 2 categories, the Woman Player of the Year with Nshut Joya Ajara and the Team of the Year. We remain with you, Oni Ladonette. Cameroon is represented in 2 categories in this year's CAF Award, scheduled for July 21, 2022 in Rabat, Morocco. Nshut Joya Ajara
is one of the three nominees for the Women Player of the Year. The Cameroon national team is retained in the Team of the Year category. With over 8 goals and 2 assists at club level in the last season, Cameroonian forward Ajara have to compete against Nigeria's Azizat Oshola and Zambia's Grace Chanda. The 29-year-old who won 2 Player of the Match trophy with Cameroon in the ongoing WAFCON scored 2 goals in 4 games. She has never won the Women Player of the Year in history, but came so close in 2019 where she finished as runner-up. As always, 4-times Woman of the Year Oshola's achievement with Barcelona Femini may outweigh Shoot's performance at club level, but her early exit in this year's WAFCON aids Ajara's campaign. Grace Chanda is the new entry in this category. As for the National Team of the Year slot, it is shared by Cameroon, Senegal and Egypt. The Central African country has achieved a lot over the years, finishing 3rd in the Africa Cup of Nations and qualifying for the World Cup. Worthy of note is, this nomination stems from the player or team's performances between September of 2021 and June of 2022. With all pleasure, it is with that report that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching. Good night, same time tomorrow. Good night to you, Dipitan. Bonsoir, Joséphine Bindi. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez aussi heureux que cela est possible. À demain.